Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Planet Crafter et depuis la dernière fois j'ai pas mal évolué puisque j'ai entrepris de déplacer ma base. Alors j'ai pas évolué sur le reste à part que maintenant il pleut sur la planète puisque bien sûr la terraformation se poursuit pendant que je déménage. Et voilà, j'ai surtout misé pour l'instant sur le rangement, même s'il y a des trucs qui sont encore en désordre parce que j'ai pas assez de casiers. Mais sinon ça commence à le faire. Et alors, ce qu'il faudrait, c'est que maintenant, quand on construit, on construit dans ce coin-là, et puis après, on rapatrie au fur et à mesure tous les trucs qu'on a. Ça va peut-être être long, mais ça va être ça, le but de la manœuvre. Je vais juste me ranger ça. Et puis, on va partir en exploration pour commencer. Dans ce secteur-là, j'ai l'impression que ça va être la nuit. Alors, je suis allé là-bas en dessous. C'est assez étrange, il y a une porte de je sais pas quoi. Il y a un petit passage juste là. On voit qu'il y a du sable et tout. Et puis quand vous arrivez dans le fond, voilà, vous avez cette porte en or ou en soufre ou je sais pas en quelle matière. Un mystère de plus. Et il y a en plus ces espèces de petites bulles qui, je pense, sont exploitables à un moment donné, quoi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il me semble qu'il y avait un coffre. Un autre, il y avait deux coffres en tout. Ouais, voilà, celui-là. Et je l'avais partiellement vidé, donc je récupère le reste. Voilà. Et puis donc il faudrait trouver d'autres endroits comme ça, d'autres coffres, retrouver de l'uranium, retrouver de l'iridium, ou c'est la nuit. Et pouvoir ainsi avancer. Ouais, la nuit devient de plus en plus sombre, puisque maintenant on a une atmosphère qui fait qu'on rentre chez nous. Donc là j'ai récupéré ça et ça. Hop. C'est un maigre butin, on va dire. Et ce qu'on voudrait, ouais, c'est explorer un peu par là, on n'y est jamais allé. Ça, je l'avais vidé. Il y a sûrement des choses intéressantes. Hein. Je vais me prendre un peu de fer. Et puis un peu de titane au cas où, si je dois poser une extension de base quelque part pour pouvoir reprendre de l'oxygène. Bien qu'on trouve d'autres caisses et vraiment de l'uranium comme ça, je peux commencer à me développer là. Faudrait faire plus de chauffage aussi. Parce que j'ai l'impression que le chauffage, je monte pas vite. C'est ce que j'ai fait le moins pour l'instant. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Ça a l'air assez désertique ce coin-là. Bon, puis ce que je pourrais faire, je pense, c'est complètement ratisser la zone où j'étais. Yes. Un peu d'alu. Je dis pas non. Comme ça, elle est vidée, quoi. Oh, là-bas. Là-bas, il y a un trou encore. Ouais, je pense qu'on va en passer par un habitacle. Qu'est-ce qui se cache ici? Ici, pas grand chose, yes, c'est bon ça, oh yes, c'était F. Oh oui, ok, oui, ah bah on a trouvé le gras là. On a trouvé le gras là. Et en plus là au-dessus, ça continue à être comme ça. Ouais, il faut que je sorte vite, là je vais avoir un problème d'oxygène. Alerte rouge, sors de là. Ouf, sauvé. Observons ce qu'on peut faire rapidement pour ce problème.
On peut faire ça. Ouais, c'est bien. C'est bien ça. Donc j'en ai récupéré pas mal. Je vais faire une nouvelle barre. J'espère que je peux avec. Je pense, hein. D'autant que j'en avais un petit peu chez moi là-bas. Ouais, je vais me remplir aussi. Faut pas revenir pas complètement rempli. Ce serait dommage. Je prends aussi un peu de fer comme ça. Pour qu'on poursuive les casiers. Puis voilà, comme ça permet d'embrayer. Justement, c'est ce qu'il fallait. Alors, faudrait que je trouve la même, mais avec l'iridium. Alors là, ça serait tout bon. Remplis-toi, remplis-toi. J'avais peu de cobalt. Voilà. T'as soif. Et t'es full. Let's go à la maison. Donc globalement, je suis proche de toutes ces arches là. Puis il me semble dans les coms, on m'avait dit installe-toi dans ce coin-là, il y a des rizières. J'espère que je me suis pas trompé d'endroit. Je suis proche quoi. Je suis proche de cette carcasse que j'avais vidée. Et j'arrive ici. Je me fais ça. Et je suis content. Parce que maintenant, je vais pouvoir faire ça. Alors, il faut des super alliages. Aïe. Je suis moins content d'un coup. Parce qu'il m'en manque. J'y crois pas. Il faut reprendre le dessus. Voir. Voilà. Je crois qu'il y en a là. Ça va aller. Je ferai l'eau après. Je crois que les super alliages, il y en a là-dedans. À partir du moment où on a ça, on embraye sur la recherche d'iridium. Bah, à peu près la même chose. Si on trouve ça, on a quand même une réserve d'uranium, une réserve d'iridium. Ça peut le faire très très bien. Hein. Et là, il faut que je construise un petit peu plus aussi. Bah, pour la nourriture, tout ça. Là, y a rien de fait, hein, parce que ce déménagement, ça m'a pris un temps. Mais c'est pas mal, là. Le truc, c'est qu'on se perd dans ce machin-là. Allez, vite. La porte, elle est là. J'y étais venu. Sorti par là, alors je pense. Ouais. Un vrai dédale. Donc, pour notre nouveau réacteur nucléaire, nous avons besoin juste de deux eaux. Après, faut que je retourne à l'ancienne base aussi pour récolter, mais il faudrait que j'amène tout ici. Être tranquille. Deux eaux. Il faut de la glace. Ah oui, c'est vrai. Il faudrait s'appuyer, j'ai oublié. Donc ça, c'est fait. Hop. La zone des réacteurs nucléaires, on va la mettre un petit peu là derrière. Nickel. Il y a un fer de plus, bon, je l'ai récolté. Je vais ranger. Et puis, on regarde ensuite. Alors, ce qu'il nous faut, c'est faire plus d'accélérateurs de croissance. Et de planter aussi toutes les graines. Et de faire, comme j'ai dit, ben les chauffages. Pour avoir les chauffages, donc, il faut aller chercher de l'iridium. En trouver. Ensuite, je peux faire un recycleur. Je peux faire un récupérateur d'eau atmosphérique. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Il me faut quoi? Un cobalt. Ouais, c'est bien ça, on anticipe. Voilà.
On va mettre notre récupérateur là. Ouvrir. Ok, comme ça on récupère de l'eau. De cette manière, j'imagine. Il est fait. Le recycleur, il faut micro-puce déconstruction, il en faut deux. D'accord. Permet de démanteler un objet et de récupérer ses composants. D'accord. On va voir après. C'est pas urgent. Extracteur de minerais. J'ai pas de barre d'iridium, j'ai très peu d'osmium. Ces trucs-là. Il fallait que j'en mette plein. Ok, bah je vais faire ça aussi. Donc je vais prendre du silicium. Ah ouais, j'ai pas beaucoup d'alu. Oh, je crois que j'en ai même pratiquement pas. Donc ça aussi, il faut que j'en trouve. Effectivement, quelqu'un disait, je suis pas dans les bonnes zones pour ça. Ouais, l'alu, y en a beaucoup, mais moi, j'en ai pas beaucoup. Ah oui, puis il y a ça également. Biodôme. Un d'alu. Oh là là, l'alu, mais l'alu, ça me fait que je suis en crise, quoi. Est-ce que je peux pas en trouver un quelque part que j'aurais mal rangé? Je pense pas. Tant pis, je vais ranger. On va se remettre en quête de choses. Pour l'instant, là, c'est poubelle à tout. Tout ce qui est pas classé. J'aurai bientôt faim. Ah oui, j'avais dit, ce serait bien d'avoir quand même des trucs qui font pousser. Et il faut de l'alu aussi. Ok. Je vais avoir bientôt faim. Je peux juste faire là une petite sortie, voir si je trouve pas de l'alu quelque part. Bon, là-bas, on a vu, il y avait... Donc, l'uranium. Peut-être que... Il y a d'autres coins sympas, avec des grottes. Où on peut choper de l'iridium. Si on pouvait choper une caisse ou un truc comme ça au passage, je dis franchement pas non. Allez, dis-nous tout. Une caisse. Et puis un truc là qui traîne. Ah, une échelle. Wow, je crois que j'ai une barre d'iridium peut-être là. Grimper. D'accord. Ok. 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 Oh. Oh. Merci, je reviens tout de suite. Ah, il y a des trucs géniaux à trouver, franchement. J'aime bien ça. Top. Laisse-toi. Retourne vite à ta base. Ou alors... Ils ont une de fortune à... Voilà. On a tout ça, c'est cool. Hein. Une puce. Deux puces. Ok, parfait. Bon. Vite, dépêchons-nous. Je vais faire une barre d'iridium. Je retournerai dans ce truc-là. La barre d'iridium, ça sera bien sûr pour faire directement un chauffage. Ou un des autres trucs que j'ai pas fait, peut-être le biodôme. Bon, on va faire un truc quoi, en gros. Et... Ouais, il faut que je me fasse aussi un truc pour avoir à bouffer.
l'impression qu'il ne pleut pas souvent, les amis. Alors, voyons voir ce qu'on veut faire. Il y avait ça et... Ouais. Ça génère beaucoup d'oxygène. Mais la priorité, ce serait peut-être d'avoir à manger quand même. Donc on va se faire une zone de culture ici. Ok, et j'ai besoin d'une graine de haricot, ça serait mieux. Ah, je vais à manger là. Cool. Haricot, pris. Et donc, haricot, mis. Voilà, tu pousses. On a un petit sursis à ce niveau-là. Bon, tous les ordinateurs et tout, ils sont pas encore installés là. Par contre... Je pose 2-3 trucs. C'est un peu le bordel là, actuellement, j'avoue. Ah oui, puis j'ai une autre barre. J'ai déjà une barre. En plus, j'ai une barre. Donc voyons. On avait dit qu'il nous fallait un nouveau chauffage. Qu'est-ce qu'il y avait besoin d'iridium aussi? Il y avait un gros truc. L'extracteur de minerai. Mais on n'a pas l'osmium. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, je vais faire un nouveau chauffage. Ah non, parce que j'ai plus d'alu. Le truc se mord la queue. Ok. C'est rien. On va continuer à explorer. On va faire de nouveaux casiers encore. Faire de nouveaux casiers, ranger le reste, nickel. Et puis ben je vais en faire une autre aussi. Alors toutes ces graines là, pour l'instant je les mets là, voilà. Il va falloir qu'on aille ouvrir ça. Et puis, il faut qu'on trouve un endroit où il y a de l'aluminium. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui fait défaut fortement et qui fait qu'on n'avance pas, qu'on peut pas progresser à chaque fois. On a besoin d'aluminium et on ne trouve pas. Donc, je vais essayer de chercher ça. C'est vrai que je suis pas allé beaucoup par là, dans le fond, là-bas. On va bien finir par trouver. Et puis, il faudra que j'ouvre mes puces. Du coup, il faut que je retourne à l'ancienne base. Voilà, c'est pas une grosse évolution aujourd'hui. Même si ça progresse. Hein. Mais par contre, c'est toujours comme ça. Je pense qu'on restructure, c'est un peu le bordel. La prochaine fois, j'aurai réorganisé encore un peu mieux. Et je pourrai vraiment avancer. Je vais quand même prendre un petit peu de fer. Un petit peu de titane, comme d'habitude. Histoire de pas me retrouver en manque si jamais je dois reprendre mon oxygène. Voilà, titane, il y en a là. Là-bas, il y a des glaciers. Hein. Voir un peu si jamais on était mal. Ça a l'air bon. Allez, donnez-moi de l'alu. Là, si je pouvais revenir avec vraiment beaucoup d'alu, ce serait le déclic. Zone de l'alu, t'es où? Là, c'est la zone froide. Le biome gelé. Biome glacé. Est-ce qu'il y a de l'alu dans le biome glacé? Ça a l'air cool, là. C'est sympa ça. C'est sympa, mais on voit pas d'alu.
incroyable. C'est immense quand même. Je pensais pas que la planète était si grande et qu'il y avait autant de zones à explorer. Mais là, je suis en train encore de tourner dans un coin où bah, je vais pas forcément trouver ce que je veux. Je suis maudit, moi, avec la lue. On va poser ça rapido. Voilà, ouf. Ça fait du bien. Je récupère. Là-bas, je pense qu'il y a une grotte. Mais je vois pas beaucoup de caisses en plus dans ce coin-là. Ou alors je les ai pas vues, quoi. Et elles y sont. Ah purée, sérieux? Ah, là, il y en a une. Un petit creux. Ok. Il y a un glalu là. Oh yes. Oh yes! Écoute, il y a une caisse là. Tu prends tout l'alu. Tu prends ça. Et des trucs dont t'as pas besoin, eh ben, tu poses en attendant. Voilà, pour pouvoir en prendre un max dans cette grotte. Allez, prends! Je vais venir tellement loin. C'est beau, hein? Magnifique ce petit biome. Avec cette petite grotte là. Une autre puce. Allez, voilà. On est bien comme ça. Attends. Avant, on va poser le truc. Voilà, on se remet bien. Et là, on peut retourner avec notre blinde d'alu. Pour construire des choses enfin. Allez, nous y voilà. Ce qui est bien, c'est que maintenant, quand même, on peut voyager longtemps. On a une grosse autonomie. Attention, on ne déconstruit pas. Et on a ramené tout ça. On va fabriquer des nouveautés. Donc déjà, ce qu'on voulait, c'est mettre un nouveau chauffage avec cette barre d'iridium qu'on avait récupérée et placée là. Après, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs bases, en fait. Plusieurs endroits de base. Ça pose pas vraiment de problème. Faudrait que j'aille récolter dans l'autre, parce que là, c'est... C'est de la perte, quoi. Voilà, là, on chauffe plus. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'avais envie de fabriquer un premier biodôme. Et je vais pouvoir... Il me faut simplement... Un titane. Deux cobalt. Et du super alliage. Bon, je vais mettre mes plus là en attendant. Voilà.
Ça se fixe sur le truc. D'accord, ça pourrait se fixer. Mais ça ne veut pas se fixer. Ah oui, il y a carrément une chaise dedans et tout. Ça a l'air top, ce truc-là. C'est embêtant, je sais pas comment le faire. Je fais ça. Et j'ai plus de titane, ok, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, on va en reprendre. Et on a soif. Voilà. On a une première échelle qui nous permettait de grimper là. Faudra en mettre une deuxième en vrai. Voilà. Ah, il me manque un cobalt maintenant. Je sais pas s'il se met là-haut ou alors s'il se met sur les fondats, ce biodôme. J'ai l'impression qu'il faut le poser sur quelque chose. Là, ça marcherait. Ça marcherait. Il irait même tranquillement se poser là, aller comprendre en fait. Ah, ok. Ok. Je peux pas rentrer dedans. Je vais l'enlever. Je vais perdre du succès du coup. Redescendons. Peut-être il faut le mettre quand même dehors, mais un peu en hauteur. Bah oui. Ça marchait en fait, je me suis embêté pour rien depuis tout à l'heure. Faut faire une porte pour entrer dedans. Je vais prolonger un petit peu avec des structures et voir si on peut pas le coller, ça serait plus beau. Attendez un petit peu. Là, j'en avais mis une première. Voilà. Ça me faisait arriver là. Et j'ai pu te faire à nouveau. Il y a un truc là, hein. Faut comprendre. Je pense que ça génère vraiment beaucoup d'oxygène, ce truc là. Voilà, je suis arrivé à ça. Et si je veux te refabriquer là le biodôme? Ah non, je peux pas là-dessus. Ou attends, attends, on recule. Si, ouais. Comme ça marche. Ouais! Zut! Ah zut! Mes casiers sont devant. Mais c'est pas grave, c'est bien.
C'est bien, c'est bien. Ok. Bah parfait, on a le biodôme. Ah, de toute façon, tiens, regarde. Tu vas faire ça. D'accord. Ah. Donc ça va déverrouiller d'autres choses. Donc je pense qu'il faut en faire qu'un, en gros. Cool. On a notre biodôme. Il va falloir que je retravaille ma base. Bah écoutez, aujourd'hui c'était compliqué. Il fallait se réorganiser. Je vois que il y a beaucoup de choses à faire et tout. Mais là, je pense que je suis à un bon endroit. On a accès à plus de trucs et tout. Donc ça va être mieux. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on poursuit la prochaine fois. Sans faire passer trop de temps pour rien louper. Mais comme ça, je suis mieux là. Je pense que là, ça va mieux rouler. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt. Allez, salut!